Hey everybody, welcome to this very special episode of TikiTube. I'm your host, Jesse Locke. Today, we have a world premiere. Music video world premiere. Yes! Today we are talking with Kevin Bodin, an incredible filmmaker from France. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Bodin. Je suis réalisateur de clips. Je vis en France, à Paris, et je réalise des clips depuis environ 5 ans. Was there anything specific that inspired you to become a filmmaker? Les choses qui m'ont inspiré pour faire des films, je dirais que c'est avant tout la passion du cinéma. Ça paraît un peu basique, mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à vraiment regarder des films, où je me suis dit, tiens, ça serait bien que je mette des images sur mes propres histoires. We are going to show his amazing music video in its entirety, and then we're going to talk after and dig deeper into the minutia, into the reasoning behind all of these moves. The music video is incredible. Kevin, let's do this thing. Le clip vidéo que Tiki Tiki m'a demandé de réaliser s'appelle Morning Lisa Smile. C'est un morceau rock du groupe Wolf Alice. Am I right? This music video is so beautiful. The landscapes and everything is so incredible. Well done, Kevin. Where was it filmed? Alors, j'ai tourné mon clip à deux endroits différents. J'ai tourné la première partie sur une plage landaise dans le sud-ouest de la France. Et j'ai tourné la deuxième partie dans les Landes, dans un champ qu'a bien voulu me prêter mon oncle pour qu'on puisse rouler en 4x4 et s'amuser un peu. Talk to me about the use of slow motion. I noticed that you have a lot of slow motion shots. What's up with that? J'utilise beaucoup le slow motion dans mes clips. Je trouve que c'est une fonction qui est très intéressante. Ça permet vraiment de mettre en relief et de mettre en avant des actions qui sont pas forcément extraordinaires
en vitesse normale. Ça a un côté très poétique que j'aime beaucoup et ça a un côté surtout très esthétique. Et l'esthétisme, c'est quelque chose que j'aime mettre en avant dans mes films. Now I know this question is usually tough. What does this music video mean to you? Alors c'est marrant parce que à chaque fois qu'on me demande le sens de mes films ou qu'on me demande de parler du fond, de la morale, de ce que j'ai voulu dire, je réponds un peu toujours la même chose. Je réponds que si j'ai fait le film, c'est justement pour ne pas avoir à l'expliquer. Tout est inscrit dedans. Si c'est clair, tant mieux. Si c'est pas clair, c'est peut-être aussi fait exprès en fait. Donc voilà, mais si je devais parler du sens du clip en quelques mots, je dirais tout simplement que ça part de l'idée de base, de la recherche de l'émancipation, la recherche de qui on veut être vraiment et l'assumer, tout simplement. I noticed that you use a lot of symbolism in the film. Does the gun have any significant symbolism to you? J'utilise beaucoup de symbolique dans mes clips, c'est vrai. Je trouve que c'est un moyen de rajouter de la richesse et de la complexité à un clip. C'est très intéressant de manipuler tout ça. Dans ce clip-là, précisément, c'est vrai que j'utilise la symbolique du pistolet. Le pistolet, c'est vrai que ça a pour fonction première de tuer ou de se tuer soi-même si on veut. Mais pas juste de se tuer, ça peut être aussi de renaître d'une certaine manière. Donc la volonté de mettre fin à ses jours, mais pour renaître. Cool, a little rebirth, reborn, dope. Thank you so much for premiering your music video with us. Is there anything you'd like to say to any up-and-coming filmmakers out there? Any piece of advice or anything like that? Si je devais donner un conseil aux futurs cinéastes, déjà, bon, je me vois pas trop donner de conseils, j'ai pas 10 ans d'expérience. Mais si je devais quand même en donner un, je dirais que c'est important de ne pas respecter les règles, de s'affranchir des règles de prise de vue. C'est d'écouter ce qu'on veut créer. C'est prendre une caméra, c'est faire ce qu'on veut avec. Si on veut faire du flou, on fait du flou. Si on veut se déplacer, on se déplace. Si on veut casser le champ, on casse le champ. C'est tout simplement écouter son inspiration et créer en fonction et ne pas s'occuper des règles, en fait. What a treat. Thanks for tuning in.